n'est pas que vos confitures soient mauvaises, au non loin de là. Elles sont très bonnes, je vous jure, surtout la confiture de noix. Mais ce soir j'ai l'humeur amère, car en trois coups de cuillère à peau, des confitures de grand-mère, on a vidé le dernier pot. C'était ce matin dans la cuisine, je m'en souviendrai toute ma vie. Ma petite sœur et ma cousine ont pris un escabeau et puis sont grimpés tout en haut de l'armoire où il n'en demeurait plus qu'un. Et croyez-moi, j'ai peine à croire qu'il n'en restera plus aucun. Sans les confitures de myrtille que mémé faisait avec soin, c'est tout un pan de la famille qui s'est écroulé ce matin. Non point que j'ai pour la confiote un sentiment de dévotion, vu que le matin sur ma biscotte je ne mets que du reblochon. Mais ne plus voir en haut de l'armoire l'alignement des pots, je dis que c'est un crime de lèse-mémoire, une atteinte à la nostalgie. Que tous les confiturophages de la famille soient tannés pour dilapider l'héritage, le seul que nous les gammes aimés. Car la pauvre n'était pas riche, vu que de toute éternité, elle passera pour la boniche d'un fonctionnaire des PTT. Donc elle voua aux confitures une énergie démesurée, afin que sa progéniture ne cesse de la regretter. Et dans l'art de sucrer la fraise, la myrtille et le tournesol, elle est parvenue au la dièse, son orchestre de casseroles. Que ne fit-elle de la peinture pour ne cesser d'être admirée? Elle ne fit que des confitures, c'est pas facile à encadrer. Joli mémé en haut de l'armoire, ne reste rien du temps béni où tu jouais de la passoire dans le parfum sucré des fruits. S'il est vrai que la vie éternelle existe autant que tu le crois, t'as plus qu'à cueillir des érelles pour quand nous reviendrons chez toi.